ISO 9001, qui figure parmi les normes ISO les plus célèbres dans le monde, évolue. Avec ISO 9001 version 2015, c'est une nouvelle structure, de nouvelles simplifications en place. Christian Musico nous présente la philosophie de cette nouvelle version. Avant, on manageait la qualité, maintenant on va manager avec la qualité. Que la qualité soit un réel outil de management, avec des notions de valeur ajoutée, de performance, de résultat. C'est important. Le sens du processus, c'est le résultat. Le processus, c'est un outil pour atteindre le résultat qui va vers le résultat. Cette nouvelle version utile et attendue propose des systèmes de management de qualité qui correspondent au mieux à la réalité économique d'aujourd'hui. Auparavant, c'était simple, il y avait un client, un fournisseur et un producteur. Maintenant, il y a une chaîne de valeur. Il y a différentes parties prenantes de l'entreprise qui ont des besoins, des attentes, des exigences. Donc, il était vital de s'intéresser aux attentes et aux exigences de ces parties prenantes dans le système, qui ne sont pas que des clients. Pour les consultants, chefs d'entreprise, responsables qualité, cette nouvelle norme va bousculer le quotidien de l'entreprise. Aujourd'hui, on était plus rodé sur un système management de qualité, donc avec un responsable qui le gérait complètement. Aujourd'hui, on implique les gens dans l'entreprise, on les responsabilise pour atteindre un objectif et l'objectif de chaque entreprise, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires. Encore plus d'implication des équipes sur leur processus, encore plus de connaissances et de l'implication avec probablement une mise en place d'une réécriture par les équipes de leur propre processus, sous contrôle évidemment, et pour les impliquer totalement. Les différents acteurs auront 3 ans pour adopter cette nouvelle norme. À partir du 15 septembre 2018, les certifications selon l'ancienne version ne seront plus valides.